Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou, merci. Merci parce qu'on fait nous confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on commente ou like et ou partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Et ça va nous plus force chaque jour pour nous continuer à bousquer tout côté. Chercher zéro nan bon petit mamite pour nous porter pour. Rete là pas déplacé et merci pour fidélité ou. Merci parce qu'on remet nous en pile. Et non seulement ça, nous même tout n'a toujours gardé même l'amour pour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Déformation. Nous comptons rentrer la caillou pour édition nouvelle jeudi 6 avril 2021. Ou même qui poko abonné ensemble avec channel là, n'a invité au faire ça. Et ou même qui gantan abonné déjà, pas oublier like, commenter et puis partager. Yon façon pour mettre yon l'autre monde au courant de ça qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement. Mesdames et messieurs, matière là lui-même li geta concentré trop. Sentlan en bas tourné nous toutes, nous presque pas ka respirer. Et bien malheureusement, gagnon paquet nan nous qui git en sale côté c'est veiller na veiller qui jan pour nous déposer pied nous à terre pour nous pas entrer dans matière là un peu plus. Pas de pièce base légale pour changer constitution, ni un accord politique non plus. C'est ça Evans Paul lui-même lui déclaré. Cependant, ancien premier ministre pays d'Haïti a appelé parti yo à un dépassement de soi, yon façon pour yo joindre yon entente pour pays a pas tomber nan plus kachaboumbe que nous y est déjà. Sans nous pas oublier, gagner 123 millions de gourdes qui étaient sortis dans caisse pour CEPA. Les fonds ont été dépensés dans souci pour yo préparer référendum cap sorti 27 juin prochain et puis pour yo organiser prochaine élection qui gagne pour fête dans pays d'Haïti. Nous pas oublier que Jerry Tardieu lui-même lui fait connaître que causer nouvelle constitution ça a mettre pays a nan plus problème que lié actuellement. Référendum nan lui-même li prévu pour 27 juin prochain nan moins que 90 jours. Pourtant, premier ministre qui a dirigé aux côtés du président Jovenel Moïse trouvait que pas gen assez débat qui fait autour de sujet ça qui visait à engager l'avenir de toute la nation haïtienne. Nous allez. Donc premier ministre lui-même li admet que pas gagné assez débat qui fait sous causé référendum constitutionnel ça. Face ensemble avec AKSA, premier ministre mandé comité consultatif indépendant CCIA ak ministre qui chargé sous question cause électorale et puis relation yo avec parti politique pour yo prendre disposition nécessaire afin pour yo mettre en débat nouvelle constitution que yo pral proposer nous très bientôt. Selon premier ministre la période électorale yo toujours on impasse pour pays d'Haïti, yon impasse qui très difficile et très souvent yon même généré ça qui relait violence. Alors, pour pallier le problème, chef du gouvernement lui-même li lancé yon appel au dialogue. Là nous appel au dialogue notamment n'a tout rentré dans causer religion pour l'appel lui-même qui décide refaire surface dans semaine qui saute passé à la. Dans ce moment qui se passe à religion pour l'appel lui-même, lui adresse yon correspondance à plusieurs partis politiques pour lui informer de décisions que yon prend pour jouer rôle médiateur dans le but d'aider les acteurs à trouver une issue favorable à la crise. Mais, code violon yon pas toujours accordé entre différentes parties opposition politique dans le pays d'Haïti. Nous connaissons dans l'opposition pays d'Haïti toujours gagner quelques moun qui pas d'accord ensemble avec décision qu'a prend. Donc c'est une opposition tête bourrique moule à cheval jusqu'à présent parce que une opposition politique qui pas ka joindre entente entre yo pas ka marcher sous même accord du violon. Donc son opposition tête bourrique moule à cheval.
Nouvelle ça, j'en pas quatre moun te attendian gagnon effet d'une bombe sur réseaux sociaux. On pas quatre parti politique dans opposition qui à l'approche 7 février te sollicité bon office religion pour la paix pour un éventuel plan B. Dans l'idée pour favoriser départ président Jovenel Moïse sous pouvoir, chaque parti dans opposition te getan gen nan poche yo yon plan de sortie de crise. Nou comprenn ki sa veut dire. Pour yon pat entrave processus lan, religion pour la paix pat jam fè ka de démarche parti politique sa yo. Mais nan occasion fèt pak la, gen les bon Dieu parler ensemble avec yo. Nan yon note ki te adressé à MTV, AAA, en force et puis unir religion pour la paix ou même yo te décidé mette tête yo comme médiateur pour favoriser départ Jovenel Moïse. Mais elle dure opposition lui-même li toujours refuser bagay ça parce que c'est lui-même qui t'a supposé gagner dernier mot. Pagé pièce protagoniste dans des cheval opposition qui t'était d'accord yon concession parce que yo même yo vle que Jovenel Moïse quitte pouvoir. Et jusqu'à présent, jodi a nous 6 avril 2021, yo président qui t'a supposé quitter yo pouvoir depuis 7 février 2021, li toujours là lui-même, li a dirigé et nous connaît que c'est par décret que président Jovenel Moïse a dirigé pays. Gen quelques citoyens de capitale là qui envisageaient effectuer 7 tours du Palais National afin pour yo dénoncer zak malhonnête insécurité ak impunité qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement. Pour qu'on gen pièce date qui retenu, mais citoyens ça eux-mêmes yo envisagé pour effectuer 7 tours Palais National pour yo dénoncer insécurité dans le pays d'Haïti. Sans nous pas oublier jusqu'à présent que 346 prisonniers qui toujours a couru dans la nature suite avec évasion qui était faite dans prison civile Croix des Bouquets dans mois mars qui saute passé là. Pendant ça, ministre travaux publics là lui-même qui dénonçait méchanceté coup des comptes qui décidait bloquer projet pour asphalter route qui relie Kankop à Cap-Haïtien. Yon façon d'après lui-même pour boycotter chaque grand projet que Jovenel Moïse décide faire dans le pays d'Haïti puisque d'après ministre là l'argent est en décaissé pour permettre route ça lui-même li asphalter. Bien que nan moment là na viv nan une situation qui assez difficile, gen yon rafale de vent ensemble avec la pluie qui abat sous quelques départements nan pays d'Haïti, donc ki gen ta fait 3 morts avec plusieurs centaines de sinistrés. Jusqu'à présent, la pluie sa yo continue à tomber et nous poko konnen ki quantité de dégâts qui ka fait jusqu'à journée jodi a. Na viv nan une situation nan pays sa côté nous non état d'urgence sécuritaire. Bandi malgré ça pas jamb suspend fè la loi. Yo pas jamb suspend terroriser population. A cause insécurité et puis phénomène kidnapping sa même, bagay sa gèt arrivé atteint limite li nan pays d'Haïti. Vaz la a débordé notamment nan département de l'ouest là. Nous tellement gen preuve n'a parlé de kidnapping qui était fait en direct dans l'église Adventiste Dikini dernièrement. Heureusement que moun sa yo même yo jwenn libération yo. Bon, contre rançon parce que si pas gen l'argent te bay, nous pas konn ki côté moun sa yo t'a pied jodi a. Yo jwenn libération dans la nuit 4 avril pour rentrer 5 avril là. Et yo l'autre preuve c'est histoire yon jeune homme qui a saute ouais maman et puis li remarqué que gen yon moto qui gen deux nèg que chauffeur a gen deux moun derrièl qui a suivi li et même arrivé doublé. Bien heureusement pour lui, li te gardé li wate gen sous commissariat. Alors li te couru à demander pour policier aidel. À son grand étonnement, policier au fait connait que bandi sa ki derrière moto a, c'est bandi qui a géré sonne. Et cerise sur le gâteau, bandi a débarqué dans sous-commissariat pour lui demander nèg la est-ce que li pensait que rentrer dans commissariat t'ka empêcher le péter cervelle s'il te veut.
Nous combattons là des gens haïtiens capon depuis haïtien ouais zam tout mal arrivé monsieur même arrivé pipi souli. Donc n'a vive dans un pays côté tout rôle inversé. C'est bandi qui a bail policier sécurité alors que c'est policier qui t'a supposé a bail sécurité mais c'est bandi malheureusement qui a bail sécurité dans pays d'Haïti. Ou du moins n'a parlé de massacre Bel Air qui fête 1er avril. Les loups sont sortis de leur tanière et une chasse à l'homme s'est poursuivie. Katouche qui tirait Bel Air de matin 1er avril pour arriver dans la souhait, c'était un lot bagaille. Ou te ka kapé dans tête mon tijo, ou ap tande katouche. Ou ap tande kri moun sa yo kap rele secours. Ou ap gade flam di fe kap leve. Parce que dans quartier Bel Air nous tout konnen que c'est moun yo a vive dans des situations qui précaires que kay yo pa fèt même gens ensemble avec tout kay. Imaginez moun sa yo ki ap kouri pran la rue et ki pa même konn ki bò yo pralé juste parce que bandi décidé pou yo rentrer nan Bel Air pou yo simen la troublaï. Sa ki pi diyo nan histoire la, c'est que jusqu'à présent, pa gen pièce autorité qui concerné qui parlait de ça qui passait Bel Air dernièrement. Et sa ki pi grave en plus, c'est que nan vendredi 2 avril, se yon nan chef bandi sa yo qui te décidé offrir yon conférence de presse pour li bay exactement pour qui sa li même li te rentré en dan Bel Air. Et d'après ça, li parle, c'est yon groupe armé qui te sorti Bel Air, qui te vin assassiner plus de 6 jeunes garçons nan kanpal la, alors yo te décidé à le venger. Et ça qui ka étonné nous plus, c'est que même chef bandi sa li même l'a dit que li besoin pour Haïti gen la paix. N'a vive yon situation qui très dangereuse nan pays d'Haïti actuellement. Là nous dit situation dangereuse, c'est que c'est une situation qui dangereuse. Côté groupe armé décidé en fonction de l'air vle de ça au senti pour yo attaquer en l'autre côté avec des armes qui de type militaire. Là nous dit armes qui de type militaire, c'est que armes ça yo c'est celle moun qui dans l'armée qui utilisé. Et m'pa même kwè la mèd Haïti possède zam sa yo ke bandi sa yo yo même yo gen nan men yo. Na viv nan on situation ki vraiment dégradante. Kote nou gon ekonomi ki presque étouffé. Situation économique pays d'Haïti très grave. Kote si c'est pas à l'étranger nan chèche bagay pou nou manje. Nous pas ka manger parce que nous pas produit assez pour nous bay même yon tiers de population nous en manger. C'est dans genre de situation ça yo que nous vivons actuellement. Et sans doute tout nous doit gagne t'oublier événement qui t'est arrivé 12 mars 2021 dans village de Dieu. Yon événement qui t'est créé un véritable onde de choc dans tout pays ya. Et il était même arrivé créer un onde de choc extérieurement de pays là qui était assassinat crapuleux de policiers ça yo jusqu'à présent yo pas compte qui ça yo fait ensemble avec koyo wa balle a tiré tout en matissant c'est en grâce si un moun ou rentré ou sorti ou bien ou sorti ou réentré encore parce que matissant c'est le boulevard de la mort côté à n'importe là cartouche qu'a déclenché moun ka prend balle par ci par là et puis empoisonné qui dans pied nous il red c'est vrai il a très difficile pour nous retirer l'en pied nous l'a très difficile pour nous consentir pour nous prendre seule douleur pour nous retirer l'en pied nous aime pas même quoi que nous parer pour nous retirer le tical patical voir pour nous ta retirer yon seul coup manéglan commence prend trop espace dans pied nous li le temps pour nous chercher conscience nous
côté nous te venir pour nous chercher conscience nous côté nous te prêter là parce que dans pays d'Haïti actuellement nous besoin conscience pays a besoin petite li pays a besoin nous chaque graine pour nous consentir pour nous mettre ensemble pour nous retirer nan kachaboumbe ke liye jodi a. Actualité dans le pays d'Haïti, depuis qu'il y a instabilité, depuis qu'il n'y a pas de solution dans la crise politique, l'économie n'a pas fait yon pas d'après PDG groupe croissance dans le pays d'Haïti, économiste Kesner Farem. D'après Centre Analyse et Recherche dans les affaires droit monde, CAD, le pays a recensé 142 cas kidnapping pour le premier trimestre année. États-Unis coronavirus, chercheurs américains mettaient sous marché à deux petits appareils qui sont capables de détecter la présence du virus COVID-19 là, la caille au monde. Malgré les pas senti aucun symptôme. États-Unis toujours, tout grand monde dans le pays a éligible pour vaccin contre COVID-19 là d'ici 19 avril prochain, d'après une annonce la Maison Blanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Jeudi, c'est mardi 6 avril 2021. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avoir, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Et d'abord, situation politique, économique et sociale dans la rue Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Et Masado Vilme a dit nous plus. Nous avons un reportage de Masado Vilme. Salut dans Port-au-Prince, c'est la violence qui continue à répéter. Côté dans l'entrée site capitale pays, nous sommes capables d'entendre des gros coups de zame qui ont chanté pendant toute journée lundi 5 avril. Après, un groupe civil amené dans la zone, il a fait une saisie un camion qui a transporté des marchandises. De l'autre côté, observateur ou pas boy site reproché l'État haïtien qui permettait l'action publique en mouvement contre soi-disant responsables de la violence qui fait sous habitants Beléo. Côté gagné plusieurs monde qui mourir boulé et plusieurs cas qui passaient en badifi. Toutefois, centre analyse et recherche de monde fait qu'on ait compté 27 cas kidnapping qui fait en de pays seulement pour moi mas passé. Et puis dans l'idée pour joindre une solution à l'instabilité sociopolitique et économique pays, gagnant plusieurs organisations politiques en tant que Haïti en action AAA, mouvement en troisième voie MTV Haïti, et bien qui sollicitait plateforme religion pour la paix comme médiateur pour un dialogue commun dans mitan acteurs politiques. Ça nous apprend dans une copie correspondance responsable religion pour la paix OTE direction politique opposition démocratique là yon estricti qui regroupe plusieurs partis politiques à quelques membres dans société civile là qui bon côté pa yo pas entendre rentrer dans démarche si là en mettant toute incertitude si là yo nous doit dire gagner good là qui retourner en perdre valeur devant dollar américain côté c'est 80 à 81 good yo moun a besoin pour un dollar américain mardi 6 avril 2021 et puis pour finir dernière nouvelle yo a mené nous dans département ni par côté était à tremblé ak yon magnitude 4.6 sous échelle Richter nan commune Baradé ak 2.6 nan région Nipla mardi 6 avril la pa gen aucun dégât qui enregistré d'après sa protection civile rapporté depuis Port-au-Prince moi c'est Masado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Hey Masado Vilme, en vont aller nous connaît que en pile yo parle en pile de village de Dieu, nous connaît que en général font passer et bola qui j'en ouais ça y est d'abord dans village de Dieu, est-ce que situation calme, pas gain rien à signaler? Justement, Jacques Lebrizier, bonjour, et ça fait bien un mois depuis que l'autorité de politique là n'a pas d'exécutif là, surtout qui est sorti au décret pour qu'il ait déclaré état d'urgence sécuritaire dans un petit lago. Eh bien, nous trouvons jusqu'à présent, eh bien, monsieur qui a mené dans un salon même, yo, paraît pas chômé, puisque ce que nous disons là, c'est gagné, yo, tentative kidnapping, c'est fait hier tout. Je salue pour Mounsa, lui-même, qui était sorti de justesse. Eh bien, même il y a tout, c'est gagné, yo, de tout le monde, c'était fait tout côté, que monde qui a fonctionné, monde qui vient dans nos zones ça yo même yo ta saisi yo camion marchandise qui tape sorti Port-au-Prince pour rentrer qui tape la direction sud capitale pays. Donc si les dit faut nous que
moun yo pa chome non sa se vwe ke pa sou pa gen ti jan te kon gen depi le la polis te mene operasyon pa gen vreman menm jan men sa pa empeshe zon nan li menm li toujou e gen ti chofe la dan nou ka toujou tande ti we ki a fèt la dan. Et qui j'en vis nocturne, et par exemple le soir, est-ce que yon pays côté en ville, plutôt côté gan pile et kidnapping, est-ce que ou senti que vers 4h, 5h, l'aile pour le faire noir, tout le monde entre la caillou, est-ce que c'est le soir tout bas est calme? Normalement, Jacques Belizer nous connaît que n'importe quoi, surtout, toujours gagner activité et. Qu'on y ait un peu d'activité commerciale, tant qu'un club bio qui a fonctionné, faut que nous nous dépilions sur le kidnapping. Non, bon, pas avant de gagner et ça a été les urgences sanitaires que le gouvernement lui-même a mis en place là. Mais par la suite, nous connaissons qu'après les urgences sanitaires, bien sûr, il y a lui-même qui a plongé dans un phénomène d'insécurité totale. Eh bien, faut que nous nous disions que toute activité, ça a eu, il faut que c'est paralysé, question club, monde qu'on allait chaque après-midi. Mais quand nous disons depuis 5 heures, dans quelques zone où est pas gagné mon là-dedans tout depuis 4h 4h30 tout mon a cherché entre la caillou donc question insécurité même avec question phénomène kidnapping dans tout comme nous dit que c'est une question paralysée du lieutenant presque total. OK, merci Massado Vilme. Donc c'est situation en gros dans la capitale la Port-au-Prince. On va connaître si ou rien was pour s'y aller. Non. Nous seulement, nous seulement rappelé toujours dans ce qui concerne l'actualité politique là, nous connaissons gagner et ensemble organisation qui est en opposition avec pouvoir en place à eux-mêmes qui annonçait cette tour par le national pour de remettre du calcul là, toujours dans l'idée puis allemande, président Jovenel Moïse, pour lui remettre le palais à puisque il a déjà constaté, puisque il a dit eux-mêmes que mandat président lui-même, les bouts de pied et 7 février qui s'est passé là, Jacques Le Bélisère. Toutefois, nous avons des rapports avec sécurité dans plusieurs provinces, nous disons que la police même par été croisée le bois, puisque vous voyez fait qu'on a gagné plusieurs et présumés chefs gang même qui en bas code la police. Merci Massado Vilme. Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Et Massado Vilme, dans le reportage, il s'est parlé de travail que CAD fait en parlant de. Centre de recherche dans la question Douamoun, donc centre analyse et de recherche dans affaires Douamoun CAD, qui gagne en tête li, M. Gédéon, qui sont militants Douamoun. M. Gédéon, il a parlé de combien moun, que 27 moun, que 27 cas de kidnapping qui t'a gagné pendant le mois de mars. Donc, et pratiquement, t'as semblé que gagne un progrès qui t'a fait, puisque dans le mois janvier-février, t'as gagné 50 et 65 moun, et mois de mars, gagne 27. So, qu'a dit nous? Oui, effectivement, une cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme présenté troisième bulletin pour le mois de mars, donc qui bouclait premier trimestre 2021. Effectivement, c'est 27 cas de kidnapping qui nous recensés pour le mois de mars, contre 50 pour le mois de février, 65 pour le mois de janvier. Donc, dans 65 mois de janvier, il y a 5 ressortissants étrangers. Donc, globalement, c'est 142 pour le premier trimestre, donc d'entrée de jeu. On est capable de dire qu'il y a une baisse qui est faite, mais si nous comparons avec le premier trimestre 2021, qui était 51, donc nous toujours parler d'une hausse considérable des cas de kidnapping pour l'année 2021. Donc ça veut dire que, M. Gédéon, d'accord avec le gouvernement lui-même, bon côté parle qui dit la combat kidnapping, il est capable de prendre un rapport cadre-là, dit que eh bien, le gouvernement a fait progrès. Donc, bon, temps encore pour me faire plus de progrès, puisque l'on garde par rapport à janvier et février, mois de mars, il y a un progrès. L'IPAC a pris pour deux raisons fondamentales. Pas oublier que en 2020, nous avons recensé 796 cas de kidnapping au total pour l'année 2020, dont 51 pour le premier trimestre. Donc, premier trimestre 2020, il y a 51. Premier trimestre 2021, nous avons gagné 142. Donc là, l'IPAC a pas parlé de progrès. On peut parler d'un baisse en dans premier trimestre là, mais sous le premier trimestre dans son ensemble, ou toujours dans une hausse considérable. Ça, c'est son premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le gouvernement n'a pas pris aucune mesure pour contenir ce phénomène-là, pour voter des réponses. D'ailleurs, combien mon temps de la police est libérée? C'est quoi, c'est récemment, tu as gagné un agent intérimaire de la Tibonite, que la police est libérée, mais en général, des stratégies pas libérées. Mon, les studios et des mounions négociés. Mais la réponse fondamentale est que nous connaissons que
Et Genève en famille alliée, c'est un groupe armé ça, bien qui a la solde du pouvoir. En majorité, cas de kidnapping, c'est toujours Mista qui fait. Donc, pour capable de jouer suffisamment de corps, parce que, n'a pas appelé nous, au mois d'octobre 2020, lorsque phénomène kidnapping n'a pas le connaître, on est vraiment préoccupant, c'est à partir d'une déclaration de qui l'a pris, chef de gang Gravina, qui dit que, eh bien, pouvoir pas voir les corps pour eux, donc du coup, ils ont kidnappé, ils ont fait corps. Donc, là, c'est en disant, en d'un premier trimestre en lien, mais si nous avons un premier trimestre dans son ensemble, nous toujours parlé de hausse de la criminalité, notamment le cas de kidnapping en Haïti. Et M. Gédéon, nous connaissons que, au même cadre, les mêmes centres analysés de recherche en affaires, et doit nous entendre une déclaration, un conseiller et président fait qui dit que c'est tolérance zéro pour question de kidnapping. Non? Qui j'en vois ça ou même qui j'en ou et situé et déclaration ça par rapport à la situation de Douamoun dans le pays d'Haïti journée aujourd'hui. Bon, c'est une blague. Quand nous parlons de la gouvernance publique, c'est une question d'action, c'est pas une question de slogan. Ça, c'est un premier bagage. Mais deuxièmement, écoutez, mais la police n'a pas gagné vraiment des actions pertinentes que lui poser pour arriver contre les phénomènes. Non. Comme phénomène gangsterisation pays a participé dans un projet politique, parce que faut noter que bulletin ça a que cellule l'a présenté, c'est bulletin pour garder cas de kidnapping, est-ce qu'il y a à la hausse ou bien à la baisse. Mais pour quelqu'un, ça mérite un rapport thématique sur le kidnapping qui va permettre que nous mieux comprendre le phénomène de kidnapping. Non. Donc, ces gangs-là, ils ont la solde du pouvoir. Un, ils ont contre les populations empêchées de manifester, exprimer, donc, son violation des droits civils et politiques. Deuxièmement, les qui ont une dynamique purement électoraliste, côté que Genève a contrôlé 35% électorat. Et si nous ajoutons, par exemple, PISTAP, qui contrôle le Grand Nord, qui sont en forme de ministre gouvernemental, et ajouté à cela, il y a les délégations, les délégations. Donc ça fait au moins 80% électoral qui contrôlent. Donc la conclusion, phénomène gangsterisation qui est dans le pays, il y a un projet électoral, il y a un projet économique tout, côté que des centaines de milliers de dollars américains qui ont récolté du cas de kidnapping, mais comme ça, pour servir pour financer la prochaine élection, et il va permettre que dans le prochain Parlement, au gain des bandits notoires qui entrent dans le Parlement, et comme ça, tout va le blanchir dans la prochaine législature. Maître Gédéon, la voix de l'Amérique, merci. Merci, bonne journée. Ok, Maître Gédéon Jean, c'est responsable centre analyse et recherche dans les affaires Douamoun. Et cadre. Pendant ce temps, il y a un économiste haïtien, Kistner Farrell, qui PDG groupe Croissance, les mêmes acteurs politiques qui ont mis tête ensemble pour débloquer le pays d'Haïti, les mêmes profiter plan Biden gain qui évalue à plus passer 1.9 trillion de dollars américains pour aider le pays caribéen à développer. Il y a un reportage Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince. Économie en deuxième partie de l'année. C'est un coup son fonction ou bien Y avec X. X là, c'est l'équipe politique là. Tout un politique là, pas de rangé, pas de stabilité, et bien on peut bien économique à marcher bien. Kistner Farrell qui fait qu'on est tout autant crise politique là pas résoudre, économie haïtienne n'a pas jamais redressé. Faut débloquer le pays là. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de rester pour bloquer depuis 2 ans, 3 ans, et dit qu'il y a deux crises là. Il y a une crise politique mélangée à une crise sanitaire et choc mondial ça. Ça, le bon qu'on y a là, il y a un paquet de monde qui tombe dans le chômage, jeunes découragés. Donc, il faut que les acteurs politiques comprennent que ce n'est pas eux qui ont un jeu qu'on y a, c'est les générations futures. Solution doit commencer à partir de l'idée de la population haïtienne pour qu'elle choisisse dans l'élection qu'elle a gain pour organiser dans le pays d'Haïti, que ce soit dans ce qui concerne la Chambre des députés, dans le Sénat, à la collectivité territoriale. Selon l'économiste Kistner Farrell. C'est ça qu'on a payé là, les mauvais choix qui ont été faits pendant les 30-40 dernières années, à savoir tout trouble politique des autres qui a réalisé, ce ne sera pas facile. Comme bas candidat, je souhaite que je fasse ça, bonne chance. Il faut que je sois capable de faire plus comme l'enquête de l'État, il faut que je gère comme la plus bien, il faut que je réduise le phénomène de corruption, il faut que je attire l'argent international qui veut dire qu'il faut une meilleure gouvernance dans le pays. Kistner Farrell, quoi est tout? Ce n'est pas seulement l'autorité politique qui doit engager dans la bataille pour redresser l'économie. Le secteur privé doit changer la mentalité. Pas simplement dire payer taxes s'il paye et même s'il paye, il lui-même tout combattre les responsabilités sociales des entreprises parce que l'argent de l'État n'a pas suffi pour nous sortir dans tout ça. Et capital social, là, comment les différents groupes vont s'entendre, nous n'avons pas d'accord avec nous, nous n'avons pas de même idée, mais l'un a pris ce si nous ne pas gérer
nous devons mourir là-dedans. Pour diminuer le taux d'inflation, augmenter le pouvoir d'achat et créer emploi dans le pays d'Haïti, selon Économiste Farrell, pays caraïbéen ça doit employer bon genre stratégie pour entrer dans le plan Biden qui évalue à plus passer 1,9 trillion de dollars américains. Stratégiquement, ça n'est capable de produire pour les États-Unis parce que les États-Unis pas gain assez capacité pour le produit, pour le volume l'argent ça la mettre, il va l'acheter de l'extérieur. Comment est capable de mettre tête dans la région, que ce soit avec la République dominicaine, avec d'autres pays de l'Amérique centrale, pour que soit capable de passer dans la bataille Chine, États-Unis est beaucoup plus large. Côté que un paquet d'usines américaines qui ont déplacé de l'Asie, pas simplement la Chine, non, Vietnam, Bangladesh, qui ont venu dans la zone, comment est capable de positionner l'usine ça, mais pas simplement pour affaire de coup de chemise, toile simplement, mais pour aller dans la technologie de haut niveau. Donc ça m'a dit une politique éducation, ça m'a dit politique santé, pour que je me dise, même en face de la grosse économie mondiale, là, et de comment je vais vendre des biens et des services, mettre les jeunes garçons au travail avec des salaires décents. Monsieur Farrell précisait que le pays d'Haïti n'a pas dû faire erreur dans une telle démarche. Le plan Biden est le même cas de gros plan aux États-Unis, comme M. Eisenhower, que Johnson avec la grande société. Et c'est comme ça pour aujourd'hui. Là, son gros chantier post-Covid a supposé pour nous. Mais malheureusement, ouais que nous ne pouvons jamais mettre bas les âmes pour nous dire comment nous permettre que la génération future a sorti le problème que nous mettons là. Pendant ce temps, kidnapping, insécurité, grand goût, chômage, ak misère ap taye bandan nan peyi an, aucune décision concrète pa jam adoptée bon côté autorité compétente yo pour corriger situation an. C'est division totale capitale entre pouvoir en place lan ak opposition an qui refuse chita ensemble pour retirer Haïti dans isolement sociopolitique ak économique lan. Renan Toussaint pour la Voix d'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington d'ici n'ap saluer plusieurs amis qui écoutent nous et plusieurs côtés. Jean-Daniel Désir nous salue et la famille Abraham Théodore, nous salue la famille Cajou dans Maryland, nous salue la famille Cupidon tout dans Maryland. Ou tout sous la Voix de l'Amérique, on a nous invité au suivre, yon annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protégé ou masque ou protégé moi en nous yon protégé l'autre en fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gains dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettez corps, veillez corps. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous ensemble. Dans rendez-vous info, toujours dans l'actualité politique, là, yon ancien candidat à la présidence. Et Marc-Antoine Destin mandé amnistie générale pour tout le monde qui violait Constitution 87 là, spécialement. Président Jovenel Moïse, Marc-Antoine Destin. 1991 à nos jours, tellement de responsables qui sont en état de crime de haute région, qu'on ne peut pas mettre tout le temps en prison. Ils sont obligés pour amnistie générale pour casser. Je ne vais pas parler de crimes financiers, non. Mais les crimes de haute trahison, côté mounan, pour appliquer la Constitution et pas appliquer elle, ben, de 1991 à nos jours, c'est presque tout le monde, presque tout dirigeant au plat d'elle. Tout le monde a amnistie pour tout. On a sous pas amnistie générale, on ne peut pas mettre tout le monde en prison en cours. Ouais, parce que tout le monde qui passe dans le pouvoir ministre, ils ont tout prêté à mon président de la Constitution, ils ne pas respecté. Donc, on n'est pas capable et mettre tout en prison. Donc, je me demande une amnistie générale pour cette question politique et que désormais, pas recommencer encore. Parce que là, s'ils viennent recommencer, chaque fois qu'on monde fait, ils sont sanctionnés. Ouais. Parce que, faut comprendre, il faut suspendre son pays, nous, et c'est des citoyens que nous, c'est des mondes, nous, contre tout le monde. Ok? Ou prétestement pour fond bagaille, ou appel. Je vais vous dire prétestement pour respecter la Constitution. D'après la Constitution 87, le mandat finit 7 février 2021. Il y a à remettre charge. Que il y a n'importe qui appui, militaire ou autre étranger ou autre, n'importe pour qu'il au pouvoir, il doit reconnaître qu'il n'a rien droit. Ouais. Puisqu'il était prétestement et, ok, inviter cours de cassation à inviter. Et les concernés à trouver quel est le juge de la Cour de cassation qui va remplacer tout de suite. Le juge de la Cour de cassation qui va remplacer là, la Constitution dit plusieurs choses. Donc, maintenant, nous croyons que, aussitôt que vous trouvez remplaçant, immédiatement, il remet charge et il installe ce président provisoire.
qui tout de suite mettait en route, former rapidement un gouvernement, former conseil électoral provisoire là, et maintenant, conseil électoral provisoire va le faire, travailler. Entre temps, les mêmes, comme pays à fort vivre, après, tout simplement, respecter les normes pour voir comment sortir. Résoudre problème sécurité, problème économique là, qui est archi grave, et maintenant, comment faire pays à avancer. Marc-Antoine Destin, c'est un ancien candidat à la présidence dans le pays d'Haïti. N'a pas quitté Haïti, n'a pas entré ici aux États-Unis, chercheur américain, mettez sous marché à deux petits appareils qui sont capables de détecter si ou gagné COVID-19 la caillou, malgré ou gagné droit pas gagné en ken et symptômes. Jean-Aubert Philippe Dino, deux appareils électroniques, ça yo, pas fonctionné, même Jean. Jean-Aubert Philippe Dino, plus non. Effectivement, Jacqueline, j'en dis là, c'est un appareil vraiment qui parle pour qui porte une solution, même si c'est pas à long terme, mais c'est une solution au moins qui est capable d'aider, qui peut aider les populations encore monde qui sont censées souffrir avec la pandémie, parce que rapide monde qui gagne virus là, mais qui gagne droit pas connaître que gagne je dis à l'égard beaucoup plus facile avec un petit appareil qui sans fil que on capable utiliser et puis mettre sous tant qu'un bouton attaché sur chemise ou et bien capable voyer message ba pour faut qu'on si ou non revu ça et qui ça qui va fait. Voilà et en situation donc son gros découverte pour chercher pour population en tout. Expert la santé mettait sur marché à une pièce sanitaire électronique qui capable aider détecter virus pandémie COVID-19 là. Pièce électronique ça qui capable tâcher sous vêtements disponible dans Amérique, Europe avec continent asiatique là. Compagnie qui est les BioIntelliSense créé pièce là, lié les BioButton et BioSticker aider détecter présence virus qui bat maladie COVID-19 là. Things like heart rate, respiratory rate, temperature, 12 different clinical parameters, even coughing frequency. Jim Moll, fondateur compagnie qui était parlé avec la voix d'Amérique sur Skype. Parler pour dire appareil là contrôler rythme cardiaque, respiratoire, température avec 12 paramètres cliniques différents et même quantité froid ou toussé. Appareil là qui capable réutiliser contrôler signe vital ça chaque minute. Données transmettre à partir de une application sur un site internet chaque 10 minutes et patient recevoir un rapport sanitaire chaque 10 minutes à partir de l'application. BioButton non similaire mais ou seulement capable d'utiliser une seule fois et li pas mesurer avec même fréquence nan rythme cardiaque là avec respiratoire. Moun ki infecté yo ki pas senti aucun symptôme capable de changement qui fait sous corps yo que seul yon appareil comme ça capable détecter. We've seen in COVID patients is that there's this characteristic alteration innovation US Health nan Colorado declare san constater la ka patient COVID yo gen yon changement caractéristique ou bien yon différence température rythme respiratoire battement cœur qui rive avant symptôme yo manifester. UC Health nan Colorado yon investisseur nan BioIntelliSense utilise pièce électronique lan yon façon pour patients capable quitter l'hôpital là puis bonheur. Pièce électronique là permet docteur yo tout observer à distance santé patient. Pour ça qui a un rapport avec monde qui recevoir vaccin COVID-19 là, docteur Richard Zen parlait pour dire pièce électronique là pas développé pour COVID. Il trouvait il vient utiliser comme un appareil idéal pour COVID. Gen yon masque électronique monde couvre visage yo et qui pas fait pour COVID tout. Après ça, relé AirPop Active Plus Smart. Massa est fait pour lui empêcher population respirer air pollué. Filtre à résister avec liquide et lui capable faire compétition avec masse N95 là. Chris Hosmer, fondateur masse AirPop là, dit masse là bloqué 99% particules qui gain même dimension. Détecté à lui et analysé système respiratoire qui permet de comprendre qualité l'air mon a respiré. Ça qui permet de dire moment pour changer filtre. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que dans le moment où on a parlé là, il y a un président Joe Biden qui lui-même a parlé de questions de vaccination et il lance un appel
pressant by grand moun yo, li di ke qu'on y a la même nous fait pour al prendre et vaccin. Jean-Aubert Philippe, c'est un gros annonce que la Maison Blanche fait aujourd'hui. Ça montre tout qui gens que en anglais on dit yo mean business, ça veut dire sérieux sous question campagne vaccination. Effectivement, Jacqueline, à partir de 16 ans, le président Biden dit tout le monde, à partir de la date qui vient là, on a parlé de 19 avril, le monde qui est 16 ans et plus, et bien, tout est éligible pour prendre un vaccin contre le COVID-19. Et non, l'autre nouvelle encore, on a dit que, et d'après l'annonce que l'autorité sanitaire fait tout, il dit que je viens différents types de variants de COVID-19 là, qui sont déjà simaillés dans tous les 50 États américains. Ça qui m'a rappelé qu'il y a sauté pour que maladie a dit pas pour pas qu'on augmentation quantité monde qui tape virus là et bien il y a état Californie lui-même qui a paré pour relouvrir toute activité à partir de 15 juin qui a venu là et puis président Joe Biden tout dit Jean-Aubert au lieu de et 1er mai c'est à 19 avril côté que tout grand monde a éligible pour prendre vaccin Jean-Aubert ça éligible avait dit bon ou bien qui j'en comprendre. Alors, dans le début, il y a une catégorie d'âge. Il y a des gens, par exemple, si tu as 65 ans et plus, ou tu es dans la catégorie. Si tu es conseillé de maladie, que les maladies qui sont capables de tout, ou tu es dans l'autre catégorie. Maintenant, si tu es à partir de moins de 16 ans, il n'y a pas de considérer les gens. Si tu as 16 ans et plus, ou tu es dans une catégorie beaucoup plus bas que ça, mais qu'on y a dit tout le monde, tu as 16 ans et plus. Eh bien, ou qualifié, et automatiquement, à partir du 15 avril, eh bien, ou éligible pour prendre vaccin. Donc, qu'on y a la question, merci. C'est prendre vaccin, qu'on y a chacun. OK, merci. Au lieu de 15 avril, c'est 19 avril. N'a dit que, toujours ici aux États-Unis, procureur, continue à faire plaidoyer pendant la deuxième semaine pour ses comptes anciens policiers ville Minneapolis, Derek Chauvin. Yo reportage, Serge Rodriguez. Chef police ville Minneapolis là dit même jury hier lundi que action ancien policier Derek Chauvin te commettre contre défunt africain américain George Floyd pas en accord avec règlement département la dirigeait mais derrière Arredondo c'est chef police Minneapolis là. There's an initial reasonableness in trying to just get him under control over the in the first few seconds. But once there was gain on démarche raisonnable préliminaire n'a essayé mettre contrôle sur prévenu en premier seconde mais une fois pas gain résistance encore il est pas clair que pas gain réaction et George Floyd pas fait aucun mouvement là continue à pas appliquer niveau force sur un monde épuisé qui minotait deux bras derrière de lui ça pas représenter politique pas non sous aucune forme ça pas entré dans quatre formations non bail policier yo et certainement ça pas fait partie principe à éthique non. Ancien policier Derek Chauvin a jugé en bas accusation comme quoi c'est lui qui était tué George Floyd, il a été bloqué coup de fin pendant plus passé 9 minutes. Même jury a été en détour hier lundi à quelques discussions sur restriction en cours. Medarina Arredondo. The conscious neck restraint by policy mentions light to moderate pressure. Dans le cadre politique bloqué coup prévenu, un policier a rien pour seulement utiliser une pression légère ou bien modérée. L'aime garder pièce à conviction numéro 17 là et l'aime garder expression dans figure George Floyd, cette situation ça pas semblé sous aucune forme à une pression légère ou bien modérée. Sous bon paio, professionnel médical déclaré que défaillant est déjà arrêté distance pour être arrivé avec lui l'hôpital. Docteur salle d'urgence qui était recevoir George Floyd là dans date 25 mai 2021, ben il déclaré par même jury hier lundi, c'est manque d'oxygène qui était débouché sur la mort défaillant. Jerry Blackwell, c'est avocat, accusation. Was your leading theory then for the cause of Mr. Floyd's cardiac arrest? Et docteur, est-ce que dans la principale théorie, pas c'est manque d'oxygène qui a provoqué l'arrêt du cœur de Floyd là? Docteur Bradford Legenfeld, oui, c'était une des plus grosses possibilités. D'après l'information, moi, j'ai gagné un moment, raison ça a dépassé l'autre possibilité. De notre côté, avocat défense Derek Chauvin, en parlant de maître Eric Nelson, eh bien, il insistait pour le dire, c'est l'autre problème santé avec l'utilisation de drogue qui est débouché sous la mort de George Floyd, et que Clécou, ancien policier Derek Chauvin, n'a pas rien pour rien que ça. Et il longeait de droite sous fétanyl avec métaphine, qui sont deux drogues qui étaient jointes dans le système défunt. Merci Serge Rodriguez, c'est là n'a été fin dans programme. Nous voulons remercier toute équipe là qui était dans cuisine en parlant de Franklin et puis le grand Lionel Demarat en bas de Mike Frank.
Samblier, Jean-Robert Philippe et toute notre équipe là en Haïti, Massiado Vilme et Renan Toussaint. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Lambert-Lizère. À demain. Me ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. M'bralé. Mais m'a quitté n'a bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.